j'ai l'impression que tu te fais chier un petit peu là, au boulot là. Ouais. Après, je sais pas. Peut-être que si tu veux prendre ta matière, je crois qu'il faut que tu demandes à ton supérieur. Je crois que ce que j'ai cru entendre. Attends, tu préfères cette coupe là ou tu préférais celle d'avant? Ouais, non, ça l'avait pas. Après, toujours dans les couleurs du Japon, j'ai fait des mèches violettes, je sais pas si t'as remarqué. T'as remarqué ou pas que j'avais fait des mèches violettes? Ouais. Des mèches roses, rose, je crois, non? Violet. Oui, ils sont violets. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement. Est-ce que les jeux et les publics en service? Payez. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre là, donc je peux être vécu.
Il y a une ambulance. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, je vous entends. C'est pas. C'est les urgences. En fait, en gros, c'est qu'on demande d'aller avec un paramédic pour chercher un corps au niveau de la morgue. Ah. Oui. C'est vrai que ce genre de. Oui, c'est délicat. Écoutez, on va voir si c'est possible. Bah ouais, parce qu'en fait c'est aujourd'hui que je fais l'enterrement de base. Ah, je... Excusez-moi. Oh non, c'est prévu hein, de base. Je sais pas si c'est écrit dans... Dans vos trucs d'hôpital, je sais pas. Je sais pas où vous mettez ça de base. Mes supérieurs ne m'ont pas... Ne m'ont pas mis au jeu. D'accord. Du coup, ça va être un peu compliqué en effet. Écoutez, on va voir si c'est possible. Il y va. Ouais, Je vais contacter la hiérarchie. Ok. Ah putain, il met un remplacement.
un peu du mal à répondre, mais il s'avère que c'est possible. Ok, ok. Vous avez des heures précises ou on doit le faire maintenant? Bah, en fait, il faut préparer, il faut vraiment que vous fassiez la fiche d'essai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat, mais. Soir, boss. Fiche du décès. Enfin, fiche du décès et tout pour que je puisse faire ça à l'église, etc. D'accord, oui. Je suis désolé de vous faire ça, mais c'est. C'est assez délicat. Ah non, non, mais. Y a strictement aucun problème, madame. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est. Peut-être madame Lassa m'avait appelé pour savoir un renseignement si on pouvait déplacer les corps de la morgue jusqu'au site d'enterrement. Oui, on peut, mais c'est pas nous qui gérons l'enterrement en lui-même. Pour l'enterrement, après, il faut que je fasse appel à la police. Enfin, aux forces de l'ordre, du coup. Oui. Ça, je le sais déjà. Sinon, c'est possible. Ok, ok. Je pourrais savoir le nom du de la personne que je dois aller chercher. En fait, il y en a deux. Normalement, ils sont censés. En gros, il y a. Il y a Adrien Drosky et. Comment dire? Ma mère, Marianne Chachen. Un homme et une femme, d'accord. Condoléances. Ouais, merci, mais bon. À 6 mètres. C'est une bonne journée maintenant. Ouais, ok. Je vais fermer mon véhicule. What can the best mechanic in LS do for you?
Excuse me. Wow. Qu'est-ce que tu veux peut-être ? Tu veux quoi ? Je voulais juste savoir si ça allait. Là, ça va comme un jour. Je dois enterrer mes parents. Tu veux pas que je vienne pour sécuriser ? De toute façon, il faudra que vous veniez parce que de toute façon, le corps est en cours de toute façon, donc bon. Ok, allez, c'est quoi. Quelle heure? Ça dépendra des paramédics. Les paramédics s'en occupent pour l'instant. Moi, je pense que je vais tuer quelqu'un. Je pense que je vais en tuer là si ça continue. Service. Bon, ça me casse les couilles. Nécessite de me faire sauter ma place. Ouais, mais bon, après, voilà. faut que tu te calmes aussi parce que dans les propos, des fois. On peut expliquer qu'eux, ils font des. Moi, je suis sympa. Ils m'ont fait au moins 5 ou 6 ultras de l'argent. Puis hier, avant-hier, je sais plus quand. J'ai rien dit. Là aujourd'hui, oui, j'ai dit quelque chose, j'avais les nerfs. J'avais les nerfs. Moi, je pense que je vais en parler à mon chef. Je vais en parler à mon chef, je vais lui leur dire clairement qu'il passe quelque chose et. Ou sinon, moi, je vais. Sinon, ça va être quelque chose qui va partir dans une tête. C'est pas mon genre. Mais, ça. Mais après, tu vas perdre ton poste. Ouais, mais j'ai pas envie de le perdre, c'est pour ça aussi. Clairement, si je le perds, je me reverrai plus en ville.
Mais... J'aurais aimé plutôt... Sinon, je vais en parler à une autre personne aussi. L'ex de la CIA. Maintenant, j'évite d'y aller sur... au palais de justice quand ils y sont parce que... Je suis sûr que je vais me prendre des reproches. Parce que il y en a au moins trois qui veulent porter plainte sur moi. Mais moi je vais carrément dire ma version. Ouf. Ouais mais bon, enfin fais gaffe parce que les gens ici ils sont quand même armés. Ils sont quand même armés, ils comprennent pas aussi quand ils ont une arme très lourde braquée sur eux. Ils croient qu'ils ont tous les droits encore. Son GPS, que... où ça? T'es pas en service typiquement? Ah, si. Ouais, tu vas aller masquer comme ça en montrant ton visage? Non. J'ai la flemme d'aller rechercher ma tenue. Ouais, puis le temps que tu prennes ton service, t'as d'autres choses qui peuvent se passer. Ça sert à rien. T'es pas en service. Ça sert à rien, t'es pas en service, le temps que tu ailles prendre ta tenue, le temps que tu ailles en intervention. Laisse faire, je sais pas, les autres ou d'autres personnes. Y'a aucun flic. À part moi. Mais ils démerdent les gens, en fait, ils ont qu'à faire attention. Moi, je sais pas, depuis que je suis en ville, j'ai pas alerté autant de policiers, j'ai pas alerté autant de gens, tu vois. C'est que des fois, bon, ils sont pas si prudents que ça, ou... Qui cherchent un TP là. Personne bougeait encore, hein. Le truc. 911 GPS, c'est où? Comment au-dessus, un peu en dessous de la. What? C'est où maintenant? Un peu en dessous de la base militaire. Ouais, mais bon, ça sert à rien. Donc, tiens, t'as le temps de ce qu'il se passe quelque chose. Je sais pas. Faut que j'aille au cimetière, j'ai même pas la force d'aller trouver la tombe ou l'enterrer. T'inquiète pas. Je sais que c'est dur. Ma mère encore, je sais qu'elle a été assassinée, mais... Mon père, j'ai du mal à croire qu'il s'est juste suicidé. Comment il s'appelait ton père? Adrien Drosky. Oui, on porte pas le même nom, mais en même temps, ils étaient pas mariés. Si tu veux, je vais essayer de faire des recherches. Ça sert à rien, tu trouveras quoi? Tu trouveras comme tous les autres, comme quoi il s'est suicidé, pas très loin du palais de justice. Voilà ce que tu trouves. J'ai déjà fait les demandes. Et personnellement, j'y crois pas. À mon avis, certes, il s'est suicidé, mais... C'est soit pour me protéger de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Soit... C'est bizarre. Enfin, oui, quand j'étais... Comme mon frère, il m'a dit tout ça. Parce qu'il m'a déjà parlé. Des personnes. Ton père, des fois, il était très mystérieux. Oublie un détail, le Japon est mystérieux. Regarde-moi, regarde dans la jeunesse ce que j'ai fait. T'as fait quoi? Ouais, mais j'ai touché à l'illégal et aujourd'hui je suis pas fier. Mais j'espère que tu referas pas ça.
Clairement, je t'aime bien, mais j'ai pas envie de te foutre en GAB ou en tôle. Et quand je suis en service, moi, les amis, tout ça, ça passe à côté. Il n'y a aucune exception, j'espère pas que tu vas, quand tu te vas, je le fais, j'espère que tu te vas pas prendre. Je compte pas en faire de l'hélicoptère de toute façon. Mon père, lui, il était prêt à buter n'importe qui pour moi et en fait, il s'est suicidé, j'ai du mal à croire. J'aurais préféré que Jawad soit en ville aujourd'hui, mais. T'inquiète pas, moi aussi j'aurais bien préféré qu'ils soient en ville depuis déjà longtemps. Est-ce que aussi au niveau des trucs là, il se passe un CIA contre quatre personnes qui parlent, qui me contredit, tout ça, je sais plus quoi faire, je me suis même barré tout à l'heure. Barré, le gars il avait les menottes, j'en ai rien à foutre, il avait encore les menottes sous les poignets. Ouais, mais bon. Moi, je vais faire sauter un policier. Je vais faire sauter un policier de la police a corrompu. Lequel? J'ai pas vu sa tête, mais je vais mais son uniforme dit tout. Ça dépend son grade aussi. Oui. Mais c'est pas le. Je suis certain que c'est pas le. Merde, comment ça s'appelle le superviseur? Tu voudrais pas venir avec moi pour savoir où je vais enterrer? Et si je vais venir avec toi? T'as cru que j'allais te laisser seul? De toute façon, il n'y a personne qui vient. Chien Xawad, il aurait été là, lui. Il serait venu, lui. Ouais, il peut voir que toi, c'est ça. Pour l'instant, pour Jawad, j'ai pas la réponse, mais je sais pas quand. Mais. Quand je suis avec lui, je sais pas, c'est le seul qui me comprend dans la ville. Je sais Il pas est quand. très compréhensif. Il est très très compréhensif, Jawad. Thank you.